l'organisation, en passant par le prestataire, parce que eux-mêmes aujourd'hui ils sont. Tout passe par la formation, les stratégies des entreprises commerciales ne peuvent atteindre leurs objectifs si les hommes et les femmes qui sont amenés à implémenter ces stratégies-là ne sont pas suffisamment qualifiés. Si le stratège et ne pas avoir des problèmes de trésorerie, d'opter des cabinets, des clients, des entreprises qui sont capables de préfinancer la prestation. Nous avons fait ce que nous pouvons en transmettant les différents conseils pour aider ces entrepreneurs de la formation-là à développer et à améliorer la rentabilité de leur activité. Donc, qu'est-ce que je fais? Une fois que j'ai l'environnement et je sais à quel niveau je me situe, l'élément le plus fondamental, c'est quel est le produit que j'aurai à proposer aux entreprises. L'environnement est vraiment concurrentiel. Et dans cet environnement concurrentiel, chacun voulait savoir un peu avec quel outil pouvoir se lancer pour pouvoir être dans l'arène des meilleurs cabinets de formation. Je pense que nous avons donné ce qu'il fallait. C'est le moment où on présente que dans le domaine dans lequel nous on évolue, voici les nouveaux concepts qui sont. Et en ce moment-là, en présentant, on essaie de vendre un peu. Le temps était si court, mais on a pu donner le maximum pour que chacun puisse s'imprégner des réalités aussi, pour voir aussi, voir quelles sont les astuces à mettre en place pour pouvoir se lancer et aussi avoir une place considérable dans la concurrence actuelle au niveau des cabinets de formation. J'ai pris part à ce Afterwork qui a été pour moi très enrichissant et les formateurs nous ont vraiment édifiés avec leur expérience, ce qui nous permet déjà de nous projeter à l'avenir en ayant toutes les astuces qu'il faut. Qu'est-ce que l'entreprise que je forme doit constituer comme dossier pour se faire rembourser? Nous avons appris beaucoup sur le fonctionnement du FDFP, avec aussi l'expérience de M. Toto, nous avons vraiment appris et nous pensons que vraiment cette formation était importante et elle doit être faite, je pense, pour beaucoup d'autres personnes. Et je terminerai par vous demander, est-ce qu'il existerait une cartographie en Côte d'Ivoire des formations les plus prisées? J'ai été abreuvé ce soir à une belle formation, une formation de belle facture. Et j'avoue avoir été abreuvé ce soir à toutes les bonnes pratiques, aux meilleurs process pour monter un superbe cabinet. Et j'avoue que j'ai le cœur en fête ce soir, je suis un homme très heureux. Merci beaucoup. Je vous rappelle monsieur Kourou-Jack. Merci pour remettre le trophée de M. Koudak. Merci beaucoup, merci au cabinet, merci à Etudes-Si et que vraiment on se revoit bientôt.